peux mettre Yamashiyasu. Yama quoi? Yamashiyasu, vas-y. Je fais quoi? Attends là. Voilà. Ah non, t'as vu, ça, ça config. Ah non, si ça, non, ça, ça rentre pas. Mais ça bon, rend, c'est pas grave. Rend... Ah, moi, je... Ouais, il y a ma chiasse. Je trouve ça rend bien. Attends, attends, lui aussi, on va le modifier. High punch desk. La merde. Allez, c'est parti pour la game. Alors, high oh punch qui a eu une. Oh putain! Dan! Bon, Hypunch qui a du problème avec son personnage. Ah, il est énorme! Alors, c'est un kangourou ton perso. Bon, allez, on joue un peu! Parti. Alors là, on a deux joueurs intéressants parce qu'Hypunch qui aime bien mettre la pression et qui panique au bout d'un moment. Ah, il a démolé mon gars, on dirait ceux d'Alexandre! Je déconne. Et Yama qui aime bien jouer très très safe et camper comme un mort. J'en ai marre. Pense, bulb. Stay focus. Stay focus. Bon, vous foutez quoi là les branleurs? Ah là ça se touche là. Vous avez joué toute la soirée. Bon, après, je dois jouer contre Kazéol et contre Borax aussi. Borax. Contre Borax. Qu'est-ce que tu fais? Je te suce la bite. Non. Mais non. Bah ouais. Quoi? Ok. Oh non. Tout à l'heure, chef. Pour moi. Bon, tu peux rester? Ouais. Ah, mais là, il joue ensemble, quoi. Non, c'est juste pour la game, en fait. Ouais. Ah. C'est littéralement juste pour ce match-là, en fait. C'est. Carrière, là, qui commence et qui se termine. Il va pas y avoir grand-chose. Ça se gratte la moustache, ça se touche. C'est l'heure de changer son chewing-gum parce que ce match-là va être très intéressant. On va voir du Yama qui va sûrement utiliser ses taunts habituels et du High Punch qui va sûrement utiliser. Ah, mais par contre, sur le chat, il n'y a vraiment personne. Hein. J'ai l'impression là, il n'y a personne qui parle. Bon, on va commenter en anglais, peut-être. C'est peut-être... You wanna come in English? Vas-y, franche accent. If you want, we can comment it in English. Ok. Ah, mais en anglais, c'est moche. Et donc, nous partons sur Battlefield. Here we go. Yamas against Hypunch. Let's go, Hypunch! So Hypunch is known for his rage, Yama is known for his camping, and also for his really interesting play of bombs. We're gonna see where this goes. Okay, so what did you know about this matchup? I think you see these two players playing together. I see them playing together all the time, and it's always the same thing. Hypunch is always trying to attack and run away, and Yama is always good with his placing. Yeah, DFB upper, really good by Yama for the moment. Take the stock of Hypunch. Hypunch wait, he's opponent, but... Hypunch having a tough time with the neutral game as well. Mm. Oh, dommage, Hypunch qui a tenté un truc vraiment sexy. Alright, nice read by Yama. Les électricités de la part. Oh putain, je recommence à prendre un coup. Oh, didn't see that one come in. Ooh, yo yo. Ça part vite. Deuxième stock. Second stock. Vas-y, fuck, non, on commente en français. Vas-y, on commente en français aux autres. Y'a personne, on commentera en anglais après. Merci. Voilà. Là, c'est plus intéressant. Hypunch qui essaie vraiment de se dépatouiller.
de faire un maximum de dégâts, de pas laisser Yama le temps libre de se placer, de placer ses bombes. Exactement, et pour l'instant, High Punch, même s'il a pas l'avantage des stocks, on voit qu'il a pas peur, il se déplace plutôt bien, il utilise ses bonnes TP, tout ça sur les plateformes. Le Shadow Claw qui passe. Ouh. Voilà, l'électricité, rien derrière. Il place le B jusqu'au bout. Et le up smash. Ouh, très joli up smash. La petite boulette. Sniper. Sniper aussi. High Punch qui monte son tech skill. Mais il faudrait peut-être tuer. High Punch qui se prend énormément de dégâts de la part de Yama. Non, te laisser à pas de cloche. Tu veux pas. Tu es le seul commentateur qui vaille la peine. Mais non. Ah voilà, une stack enlevée enfin, Yama. Dodo, t'auras du lolo. Yama qui a l'air de bien vouloir en découdre quand même. Toujours les mêmes choses, mais ça marche toujours avec Snake. Jamais un play original. Et pourtant, ça marche. Oh la boulette. La boulette qui dommage. Place pas parce que. Parce que Yama qui s'est mis vers le bas, il s'est mis en position de levrette, au calme. Yama qui joue qu'avec des bombes, toujours le B, le downer. Ah mais Yama, ça c'est la base. Hein. Quand il jouait sur Brawl, il était connu pour envoyer des grenades comme un petit bourreau. Un petit jab. High Punch qui essaie vraiment d'attaquer. Ah voilà, la bonne pression. Je pense que High Punch devrait plutôt partir sur un terrain sans plateforme. Ouais. Parce que jusqu'ici, Yama qui met une pression par le bas en utilisant ce B, de toute façon, plutôt débile. Parce qu'un. Charby qui est en train de voter pour High Punch. Et High Punch Et voilà la quatrième stock. Il a perdu sa petite stock face à Yamashias. Mais on t'aime, Yama, on t'aime. C'est pas beau. Non, pas pour l'instant. Et donc, une game pour High Punch Desque. C'est con, forêt. Et Yamashias qui décide de changer son caractère. Ouh, Meta Knight. Alors ça, on a entendu la game hier. Il y avait beaucoup de rage dans le couloir. Ah, ouh, voilà. Ouh, on voit le petit sourire sur High Punch qui a pas envie de perdre. Il sort la combattante. Ah là, il a décidé de plus rigoler. J'ai perdu la fenêtre pour les scores. Ouais. Ah, elle est là. Ah, c'est bon. Tu peux laisser comme ça, t'inquiète. C'est cool. Oui, Charby qui va commencer à corriger tout ce qu'on dit de mal. Exactement. Sur le même chat. Au Japon, il continue de nous faire chier. Merci Charby. Avec le décalage horaire, on aurait pensé qu'il se serait assagi. Ce n'est pas le cas. Et donc, High Punch qui part sur un petit stage, un small stage. Ok, missile parti. Là, on change complètement de match-up. Allez, dash attack, c'est parti, le footballeur américain, il connaît. Là, c'est High Punch qui a les bombes, et Yama qui va devoir la jouer agressive. Yama qui tente des rides un peu orthodoxes. Moi, je trouve ça intéressant, Yama qui aime bien camper. Le F-Smash, le deuxième, regardez, c'est ridicule. Mais... C'est des petites erreurs bêtes. Non, mais le pire, c'est que je ne comprends pas comment cette merde a pu passer. C'est la pression. Voilà, les bons déplacements de la part de High Punch. Pas mal. Non, rien. C'est parce que je t'aime, Charby. C'est pour ça que tu me manques. Le missile. Dommage, il a tenté le grab. Il s'est dit qu'avec le missile, ça ferait une pressure sur le bouclier qui permettrait d'envoyer un grab derrière, mais rien du tout. Dommage. Hop, les bons F-dash et encore un F-smash. Voilà, le neutral de Yama qui est au point. On sent qu'il a déjà joué contre High Punch. Ils se connaissent. Le missile pour couvrir. Ils se connaissent très très bien. Oh, High Punch qui subit des attaques. High Punch qui revient avec son petit cordon. Son petit cordon ombilical. Magnifique. Pas de nerf, pas de backer, il le dégage. Voilà, ça commence à envoyer des petits missiles. Et voilà les missiles, on les attend. C'est quand même un bon placement. Qui marche dedans. Regardez ces smash qui aspirent, tel un aspirateur. Un aspirateur. On va l'appeler Dyson. Ouais, un Dyson, exactement. Un Whirlpool aussi. On va sortir là. Ouh. Oh, le downbeat de la part de Yama qui. Yama qui a l'air de connaître exactement le neutral avec High Punch. Voilà, et Yama autant qui a pour foiré. Moi. Et en fait, j'ai l'impression que Yama triche. Il a l'œil du Millennium dans Yu-Gi-Oh! Qui lui permet de voir l'avenir. Donc en fait, il sait exactement quoi faire au bon moment. C'est ça, et Yama qui se spécialise en ride.
Bon. Oh, les chargés qui passent. Mais tous. Non, mais c'est même pas des raids, c'est énervant. Voilà, F-Smash. Oh là 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 là. Yama et ses Power Shield. Oh, il a tenté un petit technologie avec son jab. Ça aurait été sexy bomba. Chop, un force. Ah, Yama qui abuse des forces. Yama smash. Qui est très énervant. Le nerf. On sent que leur amitié après ce match peut éclater si Yama continue. C'est très énervant. Oh, ce serait passé. Bien passé. Il y aurait une petite patate qui serait, passée, je pense. Il faut et Yama qui en profite, l'opportuniste. Regardez-moi ce rat qui est prêt à tout pour gagner. En même temps, c'est un tournoi, on peut pas vraiment lui en vouloir. Ah si si. Attendez, on est seulement en face de poule et il joue sa vie. Oh, regardez ça, oh, mais qu'est-ce que c'est dégueulasse. Voilà, il se place, il peut Yama qui attaque une vraiment. Phase de missile, mais qui arrive à rien trouver derrière. Alors Charby qui se fout littéralement de la gueule de Yama, on disait Yama, on dirait qu'il est dans Brawl. Et pourtant ça passe. Christophe qui prend beaucoup de risques. Voilà, Christophe le front tilt. Et boum, oh, le tilt à la famille. Si, la famille. Dance. Ok, donc alors, Christophe qui se chauffe et alors, qui a complètement refroidi. Alors Christophe qui aurait peut-être pas dû boire cette binouze avant de commencer le match. Un bon follow-up. Ok, le nerf. Est-ce que le deuxième? Hop, le bon oh, B. Oh, joli. Christophe, boum. La boulette. Oh, oh là, 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 là. Non. La bonne vieille 2. Ouais, juste. Mais on l'a déjà fait. Voilà. 2-0 pour Apple. Ah, d'accord. Et contre qui je... Il me reste qui, moi? Ouais, c'est moi.